La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC encourage les initiatives de paix amorcées par l'administration militaire de l'Ituri en faveur de la population pour la stabilisation de cette province. Déclaration faite ce mercredi, c'était à l'issue d'un échange avec le commandant des opérations militaires de l'Ituri entouré des membres du comité provincial de sécurité. Pour ce faire, Bintou Keïta réaffirme la ferme volonté des Nations Unies à œuvrer aux côtés du gouvernement congolais. Il y a une franche collaboration que nous pouvons constater puisque régulièrement à partir de Kinshasa, je peux voir les positions qui sont prises par le gouverneur et certains membres de communautés et de leaders communautaires pour lutter contre la désinformation, les manipulations. Je tiens particulièrement à remercier le gouverneur. Occasion pour le lieutenant général Luboyanka Chomadjoni de réitérer son engagement de mener les opérations de neutralisation dans une approche globale dont la paix est prioritaire. Nous avons deux approches. Nous avons l'approche militaire et donc nous intervenons, nous menons des opérations et nous le faisons aussi avec l'appui de la MONUSCO. Nous organisons de grosses patrouilles avec la MONUSCO. Ça, c'est l'approche militaire. Quant à l'approche non militaire, nous parlons avec ces groupes armés. Vous savez, ils ont signé des actes d'engagement. Tout c'est avec la bonne foi. Malheureusement, nous avons constaté qu'ils ont perdu la bonne foi. Et ceux qui ne voudront pas, n'est-ce pas, venir avec nous, nous allons encore retourner à l'approche militaire. Durant son séjour de 24 heures dans la ville de Bounia, chef-lieu de l'Ituri, Bintou Keïta va rencontrer les différentes communautés de l'Ituri, la société civile, suivie d'une visite de réconfort aussi des déplacés de Kigonze. Question de compatir avec les filles et fils de l'Ituri.